قال صلينا هنا في اكس ولا في مرسي جو سي با صلينا والامام قام للخامسه الامام اللي سي ليفي بور لا 5ème ركعه on a fait الظهر مثلا ولا العصر ولا العشاء الامام il a fait la prière il s'est levé pour la 5ème ركعه qu'est-ce que je fais moi je suis derrière qu'est-ce que je fais hein on le suit on le suit Non, on le prévient. On va le prévenir. Comme quoi il est monté pour la cinquième raka. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Subhanallah, subhanallah. Quand l'imam yikhta, quand l'imam il fait une erreur, qu'on subhanallah, subhanallah, subhanallah. Vous dites ça à l'imam. Mais là, il s'est levé pour la cinquième. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne le suit pas. والذي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عموم dans ce cas-là, on ne le suit pas. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit, on dit subhanallah, subhanallah, subhanallah. S'il revient, tant mieux. S'il ne revient pas, on attend. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, tu peux sortir, mais la salat. Tu peux dire salam alaykoum, tu sors de la salat. Si lui, il se lève pour la cinquième. Sinon, le mieux, c'est d'attendre que lui revienne. C'est que tu fais salam alaikum, salam alaikum. C'est clair ? Hada hukm al-jumhur. Kayna ra'y عند al-hanabila. Ra'y wahid عند al-hanabila, il dit que tu suis l'imam. Mais il dit que si tu savais que c'est la cinquième et que tu suis l'imam, tu n'as pas de salat. C'est pour ça que je le dis. Parce que كثر الله غلط. Parce que des gens m'ont appelé parce qu'ils se sont chamaillés dans la mosquée. Donc je vous le dis. D'accord les frères. Autre chose, ayyuha l'ikhwa. Je suis arrivé à la prière et j'ai raté une raka'a. Et l'imam à la fin de la prière, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait sujud al-sahw. Ok ? Sujud al-sahw, c'est-à-dire la prosternation de l'oubli. Quand il a dit salam alaykum, il a fait la prosternation de l'oubli. Et moi, j'ai une raka'a à rattraper. Comment on fait ? Alors, attendez. Il y a trois cas. Si je suis assis, je ne me suis pas levé, et que l'imam il a fait sujud sahw, je fais sujud sahw avec lui, il n'y a pas de problème. Si je me suis levé, et que l'imam il a fait sujud sahw, parce que là, le frère, il dit, moi j'ai continué, l'autre frère, il s'est rabaissé, il a fait sujud sahw. Il a fait la prosternation de l'oubli. Sahih. Tant qu'il n'a pas commencé la lecture. S'il a commencé la lecture, si vous avez commencé la lecture, vous ne revenez pas. Ok ? On entame la lecture et on fait sujud sahw à la fin de la prière. J'espère que c'est clair.